Hey, salut tout le monde, ici c'est Segalix sur Resident Evil 2. Donc bienvenue aujourd'hui pour ce 17e épisode avec Léon et puis donc deuxième épisode sur le laboratoire d'Umbrella. Alors on va aller regarder sur le terminal de contrôle la vidéo précédente. On avait trouvé un trophée. Sur lequel il y avait un code d'accès au derrière le pied du trophée. Donc on va aller voir ça. Oh putain, il y a encore une plante qui bouge là. Bah oui, je l'aime pas. Putain. J'ai plus beaucoup de gaz. J'ai plus du tout de gaz. Putain, ça fait chier parce que bon, on nous a bien dit dans une note qu'il faut les brûler. Et là, j'ai plus de quoi le brûler. Donc, me faire baiser la tronche. Allez, casse-toi, lâche-moi la grappe. Putain, c'est quoi ce bordel? On est sérieux, il me bouffe l'autre. Ah, d'accord. Ok. Non, non. Ok. Putain de merde. Tu te fais attaquer par un Gugus plante là? T'es mort quoi. Ok, donc en fait il te faut du gaz, il faut du gaz, il faut du gaz. Alors attends. Examiner. Ouais, putain, mais faut que je trouve du gaz, mec. Faut que je trouve du gaz. Bon, ce qu'on peut faire, sinon. Alors, ce qu'on peut faire, sinon. Là. Panneau électrique. Normalement, j'ai trouvé le truc. On va déjà regarder ça, pourquoi pas. Avec un peu de chat, si on avait la possibilité de trouver du gaz. Parce que là, ça sent la merde quand même. Donc on va faire ça. Ça, on aura tout débloqué sur la partie à l'entrée là. Bah, la partie nord du coup. Bon. Les laboratoires d'Umbrella sont encore très vastes. Alors, de mémoire. C'était là, c'est ça? Non, c'est putain, c'est fou, hein, je me perds à chaque fois dans ces putains de couloirs de merde. Donc, c'est ça, et c'est tout au fond. Gauche. Bon allez, des personnes, des personnes. Donc déjà là, on a le bracelet. Ok, donc ça on est bon. Voilà. Donc là normalement, on a l'appareil. Utiliser. Ok. Ah. Alors attends, là il me dit quoi? Muf. En fait, il faudrait le régler à chaque fois. Examiner. Ah, ok. Ok, donc je le mets sur muf. Voilà.
Bah, tu plaisantes? Il y a marqué MUF. C'est quoi cette connerie? Examiner. Putain, il faut régler la fréquence du bordel? Alors attends, il y a un truc que j'ai pas piné, piné. Compris. Muf. Là, on est d'accord. Putain, c'est space leur truc là. Ok. Si je le mets comme ça. Error. Attends que je comprenne le bordel. Ah, il faudrait que les courbes jaunes se superpositionnent nickel, je pense. On va essayer comme ça. Hein. Eh mais si c'est ça, putain de merde, c'est tiré par les cheveux leur bordel. Hein. Bon. Pas ça, c'est pas ça. Bon, ce son dans les oreilles, ça me casse les oreilles. Non, j'en ai eu des beaucoup plus proches que ça. Hein. Alors, si je fais comme ça pour voir. Boah, putain, mais c'est quoi cette connerie? Sérieux? Là, ça me prend la gueule. Ça me prend la gueule. Je comprends pas leur délire là. Un outil électronique utilisé pour l'entretien de l'équipement.
Déjà, théoriquement, putain, faut se mettre sur MUF. C'est marqué MUF sur le truc. Putain de merde. Ok. Bon, c'est un truc de dingue. Ok. Donc là, on a remis l'électricité, tout le truc qui s'ouvre. Bien sûr, il y a un copain qui arrive. Coucou. Allez, fais pas chier, toi. Oh yes, c'est bon ça, une sacoche. Bon, bah ça valait la peine un petit peu de se creuser le plot. Plein de place. Succès déverrouillé. Agrandir l'inventaire au maximum. Oh putain, on a au maximum. D'accord. Le bitonio là. Eh ben, j'ai pas de couteau. Eh ben, donc, on va utiliser une balle pour s'occuper de lui. Note de Wayne Lee. Ah, c'est celui qui est parti en salle de repos et qui n'est jamais revenu. Mon Dieu, du sang partout, qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts, tous morts. C'étaient ces hommes en noir, USS. Les forces spéciales du siège, mais pourquoi ils ne sont pas censés nous protéger? Des bouts de cervelle blanc dans une mer rouge. C'est un cauchemar. Mon Dieu, pourquoi ne m'a-t-on pas dit que j'étais un génie? Un génie comme moi ne peut pas mourir dans un endroit pareil. J'ai toujours obtenu des résultats. Ils veulent me baiser. C'est moi qui vais les baiser. Je vais gagner le prix Nobel. Je suis un héros, un génie, un dieu. Je ne mourrai pas. Je vais. T'es mort, mec. Ok. Donc, on est venu là spécialement. Bon, bah, déjà pour mettre le jus dans à l'étage. Et pour prendre la sacoche. Là, on est d'accord. Par contre, cette partie-là, elle est entière. C'est bon. Au niveau inventaire, Non, on va rester comme ça. Non, non, mais c'est bon, tiens, okay, moi je m'en vais. Hein. Heureux de t'avoir connu. On rentre. On rentre, on rentre. On retourne dans l'aile ouest. Est. Parce que la ouest pour l'instant est bloquée. Ok. Donc là on est d'accord. Hein. Toute la zone. Ouais. Il n'y a rien à trouver ici. Ok. Donc il nous reste eh ben, dans l'aile est. On a le courant à remettre également. Donc on va. Je vais chercher la pièce. L'emplacement exact. Alors. Coucou, me revoilà. Mais j'aime pas ces putains de plantes et je vais devoir y passer devant. Donc déjà, on va sauvegarder. Et voilà. Bonne chose. Ok. Alors, l'emplacement exact. Système de pulvérisation, c'est pas ça. Terminal de contrôle, c'est pas ça. PC, c'est pas ça. Donc voilà, c'est à l'étage inférieur. Le panneau électrique. Alors, comment. Est-ce que c'est là? Je m'en rappelle plus. Ouais, on va essayer par là, je crois. Non, 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 mais t'arrêtes toi de faire le con là. Merde, une balle de trop. Et bah, double, il est là. Alors, putain, y'a rien marqué sur celui-là. Ah merde. Ah oui, mais il faut que j'actionne déjà en bas alors.
Ok. Allume ta lampe torche, mec, qu'est-ce que là on voit que dalle. Alors, j'espère qu'on va pas faire de mauvaises rencontres. Si tu vises la porte, ça serait comme mieux, mec. Je suis où? Donc c'est juste en face de mi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est là où il y avait tous les liqueurs de merde. Donc me fais pas chier les gars, je suis occupé. Donc là c'est Murfeu. Murfeu. Ok. Donc on va le régler sur Murf. Alors non 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 bouge pas. Tac. Non j'ai dit bouge pas. Ça j'aurais bien. Mais il est con quoi. Voilà. Murph. Alors, Murph. T'es pas bézef, hein? Oh putain, yes! Ah, j'ai trouvé beaucoup plus rapidement celui-là. Oh yeah. Personne se réveille. On est bon. Une machine qui se met en route. Ok. Salle des serveurs. Donc je vais aller visiter cette salle. En plus j'en ai l'accès. Bien. Ah oui, là, c'est la vraie salle des serveurs. Là. Alors, poudre pour créer des munitions, on est bon. L'impression d'avoir entendu quelque chose. Ah, super. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ok, parfait. J'aime quand ça se passe comme ça. Inventaire, inventaire. Je vais enlever la poudre et je vais enlever ça. Voilà, de manière à laisser un peu de place. On va se faire une petite sauvegarde. Donc, voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Est-ce qu'on a un truc là? C'est quoi ça? Un couteau. On va le garder pour éviter de se faire croquer. Merde. Là on est bien. Donc il nous reste celle-ci. On va aller voir ça. Bon les mecs, hein, vous réveillez pas s'il vous plaît. Là, normalement, ouais, c'est ça. Bon, il y a un peu de lumière. Ok. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on doit découvrir? Non, ce laboratoire. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi, je le sens pas là. En plus, j'entends... À mon avis, elle va se réveiller. Coucou. Bah oui. Hein. Ah, bon sang. Bah alors, tu fais quoi? Voilà. Allez, ça c'est fait. Bienvenue, docteur Lee. Oh, bienvenue. Cinq nouveaux messages. Eh ben. Eh ben on va regarder ça. Boîte de réception, Wayne Lee.
Alors, expéditeur Rick Manzana, qu'est-ce qu'il fout? Tu as vu la dernière de cet abruti de Coltworth? Il faut qu'il calme sa joie, ce connard. Enfin, c'est lui le patron pour l'instant. Sinon, tu n'as pas vu ma double hélice. J'ai inscrit mon secret en dessous. Dis-moi si tu l'as trouvé. Ah, ma double hélice. Si, c'est peut-être le trophée, là. Byron Cartwright, trop occupé, hein? Alors comme ça, vous n'avez pas pu venir à notre petite réunion. Pas de souci, oubliez l'inspection de la serre. Je vais vous donner quelque chose de bien plus simple à faire. Mettez en place le budget prévisionnel pour dans 2 ans. Et je vais l'avoir ce soir. Rick Manzana, t'es vivant? On nous attaque, il y a des morts. On ne peut plus accéder à la zone est. Impossible d'activer le pont avec nos bracelets. Où se cache cette enflure de Colt White? Cartwright. Rick Manzana, réponds, je t'en prie. La plante 43 est déchaînée, c'est le chaos dans la serre. Il faut envoyer quelqu'un là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Maine, comment on peut arrêter ce truc? Tu dois nous aider, je t'en prie, réponds. Rick Manzana, objet aucun. Tu te souviens de Suzy, la pom-pom girl? Quelle chouette fille, on était tous les deux amoureux d'elle. Mais bien sûr, elle s'en fichait des nerfs. Il faut toujours que je te rende les BD et les jeux que je t'ai empruntés, mais tu risques de devoir attendre encore longtemps. Oui. Là-bas, il y a un truc pour mettre notre cartouche. Alors ici. Bon, pour l'instant, la salle encore rouge. Là, on n'a rien. Là, il n'y a rien au mur. Ça caille, mec. Qui a laissé le congélo ouvert? Ok. Bon, à mon avis, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Alors, ok, c'était bien ça. Utiliser. Allez, bing. Quoi? Pourquoi tu mets erreur, mec? Une cartouche d'avant à répandre diverses solutions dans la serre. Elle est vide pour l'instant. Bon, ok, je pensais qu'il fallait la remplir ici, mais non, 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 il faut la remplir au-dessus. Là où, enfin pour l'instant, l'appareil est bloqué. Examiner. Il n'y a rien à faire hein, dessus. Non, non. À tous les coups, c'est ça, quoi. Je vais réessayer tout de même. Utiliser. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir, putain, la remplir au-dessus et puis revenir là. Super. Poudre, bien. J'aurai de quoi faire encore des munitions. Ouais, mec, ça caille. Donc là, ça nous dit quoi? Système de refroidissement. Ok, donc c'est pas le même. Sûrement pas le même. Comment? Même produit que tu mets dedans là. Pardon, à mes souhaits. Alors, donc là, on est d'accord. Par contre, pourquoi, putain, c'est rouge là? Il y a un truc à ramasser là, ici. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. C'est souvent un truc que j'ai pas vu là-dessus. Non, là on est tout bon, là on est tout bon. Putain, mais fait peur ce con. Là on est tout bon, et là on est tout bon. Bon, bah alors là.
Le comprendo, pourquoi la pièce elle est encore en rouge? Ou alors parce que j'ai pas pu activer ma cartouche et ça englobe la pièce globale. Alors, donc là du coup, on va refaire un petit inventaire, on en est où? Donc là du coup, je vais pouvoir me rediriger dans la serre vu que j'ai le lance-flamme. J'ai un code d'accès. Donc ma foi on est là, bon, on va retourner aux escaliers, non, aux escaliers. Ouais, c'est ça, les escaliers sont là. Allez, sans faire de mauvaises rencontres, s'il vous plaît. J'ai 10 en verre de mauvaise rencontre, s'il vous plaît. Putain, j'étais poli pourtant. Voilà. On envoie des toutes petites doses. Allez, là on est bon. Ok, on fait une petite sauvegarde en cas de mauvaise rencontre. Tac tac. Ensuite. Ouais, bah là, de toute façon, on n'a pas le choix. Là, on n'a toujours pas l'accès. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Là, non, on n'a pas d'infos. Attends, il y a un truc là? Putain, j'ai pas vu. Ah oui, je m'en doutais. C'est lui qui a le bracelet en question. On va avoir besoin. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, il va falloir aller tuer cette putain de plan 43. Allez mec, comme gentiment. Voilà. C'est bon. Yes. Bon, tant que ça passe comme ça, moi ça me va. Oh, c'est fini, oui. Alors, donc là, on va mettre le code qu'on a eu sous le pied de la statue. Alors, le code, il ressemblait à ça. Après, c'était la petite... Merde, je me suis trompé. Ça, la petite barre. Ça. Et la grosse barre. Ok. Ah, donc là on débloque le bordel. Non, c'est pas ça. On débloque le truc pour mettre. Merde. Pour remplir la. Comment on appelle ça là? Je me rappelle plus du nom. La cartouche. Pour remplir la cartouche vide simplement. Par contre. Il est où le truc en question là? D'être là-dedans, je crois. Ouais, ça c'est l'autre qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça doit être là-dedans. Et puis on avait trouvé un autre code. Non, c'est pas ça. Donc c'est qu'on avait trouvé un code, une moitié de code.
Non, c'est pas ça. Bon, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave pour l'instant. Donc là, on doit aller. Là-dedans, et on va aller tout de suite au laboratoire. Non, 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 non. Sois gentil, plante. Me fais pas chier. Voilà, c'est ça. Nickel. Alors, utiliser. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Tu rigoles? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment que ça marche le bordel là? Putain, c'est quoi ce délire? Bon, là on est d'accord. Bon, je n'ai pas compris leur délire encore là, sérieux. Ah oui, c'est ce code-là en fait. C'est ce code-là qui était au cul de la statue. Le début. Ah, je le reconnais là. Bon alors attends, attends. Là. Si je regarde dans mon inventaire, donc j'ai plus la cartouche. Elle est bien dedans. Donc là, putain, il faut que j'arrive encore à comprendre leur délire. Remplir, tourner, ouais, j'ai bien compris. Bon, bon j'ai encore fait un truc là, j'ai pas compris leur délire. Il fallait arriver pile poil au niveau voulu. Cartouche solution. Ok, tant mieux. T'es un peu tiré par les cheveux là quand même. Hein. Et on en est où? Donc là, système de refroidissement, non. Là, je vais repulvériser un coup. Pouvez en foutre plein la gueule à la cocotte, la 43 là. Donc, on va se dépêcher avant qu'elle nous attaque. Coucou. Voilà. Voilà. Allez, on place. Erreur. Température
signature de la solution en dehors des limites acceptables. Oh putain, sérieux. Ok, donc il faut qu'on redescende. Il faut qu'on redescende, refroidir. Okay, bon, déjà, on va changer d'arme, hein, pas faire de boulettes. Ah non, sérieux, putain, mec. C'est quoi ce délire? Pourquoi il marche pas mon lance-l'homme? Bah alors, c'est quoi ce délire là? Allez, s'il te plaît. Merci. Pas chier. Putain de merde! Allez, cours! Je suis où là? Je suis là. Putain. Alors, on descend là. Ah mais bon, là moi j'ai plus de... Kikyu. Magnum. Ben voilà. Me stresse ces plantes de merde. Moi qui aime bien les plantes, j'aime plus les plantes. Ok. Là. 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 Et le laboratoire est là. Ok. Putain, un enfer des allers-retours, hein, sérieux. Bon, elle va pas se réveiller, je vais éclater la tête tout à l'heure. Alors, on va refroidir la solution. J'espère que c'est encore pas un truc tiré par les cheveux. Utiliser. Ok. Bien. Cartouche herbicide. Je prends. Refroidissement terminé. Pouviez pas en faire des toutes prêtes, putain de merde. Sérieux. Ouais, voilà, ok, donc là la pièce passe en bleu, comme prévu. Donc là, je viens de là. On va remonter les escaliers en espérant que la mauvaise herbe ne fasse pas chier. Putain, sérieux ? Putain, s'il faut deux balles magnum, moi je suis dans la merde. Parce que j'en ai pas autant. Allez. On va aller activer le. Hop, je suis là. On va aller activer le bordel. Ok, c'est là.
s'y perd, hein, c'est cool. Oh non, alors là. Là, mec, faut pas. Ah, ah, mon couteau. Mon couteau, mon couteau. Important. Ça peut me sauver la vie. Oh, non, 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 non. Ah bon, c'est passé. Fouhou. Allez. Ah, dis-moi que c'est bon ce coup-là. Hein. Yes. Ah, voilà, ça va libérer la plante. Je vais pouvoir accéder à cette carte d'accès. Ça a marché. Et par contre, ça a libéré quelque chose là. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Oh bah merde alors. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Oh. Je suis vraiment désolé. Donc là. On va déjà prendre la plante. Donc il est où l'autre pignouf? Il est là-bas. Voilà. Putain, non, sérieux, y'a quoi là? Sérieux? Putain, non, sérieux, c'est quand même pas le Mister Machin, là, de mes couilles là! Ah, mais putain, mais il est sérieux lui! Ah non, non, mais ça c'était pas prévu au programme. Hein. Qu'est-ce que. Putain de sa mère! Brrr, oh, putain! Commence d'où? Putain, mais il débarque d'où celui-là? Ok. Et... Alors... Ok, donc on doit activer le bordel. On est d'accord. Bon, ce que je vais faire, les gars, hein, je vais arrêter là pour cette vidéo. Ça fait déjà 43 minutes. Et voilà, vidéo prochaine, eh ben, on va aller récupérer notre fameux bracelet. Et puis, ben, il faudra sûrement qu'on aille semer ce putain de Mister X qui nous a collé au basque pendant plusieurs épisodes au commissariat. C'est vraiment pas une bonne surprise de le retrouver dans les sous-sols d'Umbrella, dans les laboratoires d'Umbrella, plus exactement. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager à max et à vous abonner à la chaîne bien sûr si vous n'êtes pas abonné. Allez, ciao bye bye et à bientôt, c'était Segalix.